Je vivais à Bédonia, dans l'Italie. C'est entre Parme et Milan, du côté de Gênes. C'est un village de montagne. D'ailleurs, j'ai une surprise pour vous. Je vais vous y conduire et on va se retrouver dans mon village natal, Bédonia. Il y a longtemps. Mon père était de Bédonia et ma mère était de Bédonia également. Donc mes parents se sont connus ici et ils se sont mariés ici. J'ai vécu à Bédonia jusqu'à 3 ans et demi, 4 ans. Et puis on est parti sur la Belgique. Où mon père travaillait dans la mine comme mineur de fond. Et puis moi j'ai fait mes études là-bas, je suis resté en Belgique et je revenais pratiquement chaque année en Italie, à Bédonia. Je voudrais tellement revenir sur le chemin des souvenirs pour dire je t'aime aux gens que j'aime. Je me souviens que mon père avait une petite voiture, modeste, petite voiture, et on y pensait des mois et des mois, on y pensait avant de partir, on va partir en Italie, on va passer par le Saint-Gothard, on va monter le Saint-Gothard, parce qu'il n'y avait pas encore le tunnel du Saint-Gothard, et c'était toute une histoire, c'était une expédition. Je me souviens, à 14, 15, 16 ans, on venait, il y avait dancing qui s'appelait Las Vegas. Et c'est là que nous allions le soir. Puis il y avait un soleil aussi, on avait le temps de bronzer aussi. Donc on passait des moments, pratiquement 3 semaines, 1 mois, extraordinaire à Bédonia. Les gens d'un certain âge qui sont partis, soit émigrés en Italie, d'Italie, de Bédonia ou même un peu d'ailleurs, qui sont partis soit sur l'Amérique, soit en Argentine, soit sur l'Allemagne ou la France ou la Belgique, et se retrouvent ici des fois et reviennent avec leurs enfants, reviennent à la source. Je pense un peu, c'est un peu mon cas. Il y a longtemps que je n'ai pas revu la maison, la rue où j'ai des enfants. Il y a longtemps. Mon cœur se languit de tout. Cette chanson parle bien de l'envie de revoir cette maison où j'ai fait mes premiers pas, où j'ai grandi. C'est ici que je suis né. Donc c'est extraordinaire de voir ça. C'est fou. Que les années qui passent volent et fassent les souvenirs. Ma maman a accouché dans cette maison. C'est étrange, c'est spécial. Il y a longtemps que je n'ai pas cueilli un fruit sur un arbre, une fleur des champs. Le chemin des souvenirs, c'est un peu aussi un hommage aussi que je rends à mon père qui nous entend là-haut. Mon père m'a beaucoup aidé moralement, et c'est lui qui a acheté mon premier accordéon aussi, parce que j'ai commencé par l'accordéon. Mon père voulait que je sois accordéoniste, ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai joué pendant 10 ans d'accordéon, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Ensuite, il a acheté ma première guitare à 14-15 ans. Il a eu dur parce qu'il travaillait beaucoup et même après journée pour pouvoir me payer tout cela. Et ensuite, il m'a beaucoup aidé, me pousser dans la chanson, me pousser dans la musique. Et moi, j'ai commencé à écrire des chansons et des chansons et des chansons. Et j'ai pu lui rendre cette satisfaction il a connu mon succès, il a connu mon premier Olympia également.
Mon premier Olympia à Paris, c'était en 1999, mon père était là encore. Et je pense que c'était le plus beau jour de sa vie, je pense, de me voir à l'Olympia avec une salle qui était comble. Il avait les larmes aux yeux de me voir sur scène. Et je pense que c'était son rêve. Moi, c'était le mien, mais je crois que pour lui, c'était plus un rêve encore. Il était encore plus heureux que moi, je pense. J'ai vu ça dans ses yeux. Tellement d'années que j'ai perdu le goût des choses essentielles qui sont les plus belles. Et même je peux dire que les saisons qui passent volent et effacent les souvenirs. Je voudrais tellement revenir sur le chemin. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager avec mes fans, avec les gens qui m'aiment, qui me suivent depuis des années, de pouvoir partager ce moment, ces images, la maison où je suis né, l'endroit où j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la vie, et leur montrer que dans le fond, je ne suis pas arrivé comme un millionnaire ou le fils d'un millionnaire. Non, je suis revenu de rien. J'ai fait la route avec. D'ailleurs, il y a une chanson qui le dit, Le fils de l'Italien, dans cet album, où j'ai commencé avec rien, où je n'ai fait que. J'ai partagé beaucoup de galères dans ma vie. Mais je pense que c'est important de travailler et de vouloir arriver à un but. Et je pense que là, je pense avec mon public, je crois qu'on y est arrivé. Je suis content. Qui je suis? D'où je viens, aujourd'hui je le sais bien, et sans le moindre doute. Avec Jérôme, ça fait des années que nous travaillons ensemble. Il me connaît très bien, il me connaît jusqu'au bout de l'âme. Il sait, sans même. Même par téléphone, il sait me dire, tu peux venir chanter, ta voix est bonne. Ou alors, ne viens pas aujourd'hui, tu viens demain. C'est extraordinaire. Et puis, les arrangements sont. C'est inutile de vous dire, mais je vous le dis quand même, c'est le meilleur guitariste en Belgique et peut-être encore plus loin. Mais ces arrangements m'ont toujours. C'est lui qui m'a fait tous mes succès. Jérôme? Pietro, c'est bon? C'est prêt? Ok, merci. Et maintenant, nous avons ce disque-ci qui sera, d'ailleurs, le titre, je peux vous le dire d'ores et déjà, on l'a choisi, c'est Romantique. Je pense que les fans seront contents parce qu'on a vraiment trouvé la continuité au niveau du son, au niveau des mélodies. Je pense qu'ils vont s'y retrouver toujours avec le Franck qu'on aime, quoi. Et pour moi, quand c'est ça, c'est gagné. Ces gens de Bédonia, de mon village, il y en a plusieurs qui ne me connaissent pas, bien sûr. Il y en a d'autres qui me connaissent par mon vrai nom, qui ne me connaissent pas sur le nom de Franck Michael, mais qui m'appelaient Gabelli, parce que mon vrai nom, c'est Gabelli. Et j'entendais dans des coins, quelquefois, Gabelli, c'est le fils de Gabelli, c'est le fils de Gabelli. En fait, pour parler de cela, sur mon album, j'ai voulu aussi chanter une chanson que je ne dis pas le fils de Gabelli, mais c'est le fils de l'Italien. Mes racines et qui sont les miens,
L'exil est ma nouvelle vie, loin d'Italie. Même si je n'étais qu'un enfant, mon père disait souvent que je tenais mon destin entre mes mains. Qui je suis et d'où je viens, aujourd'hui je le sais bien, et sans le moindre doute. C'est dans cette église que mes parents se sont mariés. C'est déjà une chose extraordinaire. Dans cette église, j'ai été baptisé. J'ai fait ma première communion et ma petite communion et ma grande communion dans ce village, mon village natal. Donc c'est pour moi un lieu fantastique qui symbolise quand même des grandes choses. Mon père disait... Suis ton destin, tu dois suivre ton chemin et c'est lui qui va te t'apporter ce que la vie peut t'apporter. C'est tout simplement ce texte, le fils de l'Italien. C'est comme la chanson le dit, c'est que je suis parti de rien, sans aucune ambition et je suis un chanteur populaire, comme il y en a beaucoup qui passent à côté, qui ne veulent pas trop en parler, ben moi je suis carrément un chanteur populaire, je le dis dans la chanson et je le dis dans la vie aussi. Je n'ai pas eu d'autre ambition que de donner dans mes chansons un peu de bonheur et de joie autour de moi. Et d'être un chanteur populaire. Il faut dire que j'ai travaillé cet album avec Michel Mallory. Et Michel Mallory, qui me connaît très bien aussi, qui me connaît parce qu'on se connaît depuis des années, a voulu écrire pour moi, sur ce texte, quelque chose qui est un peu vrai, qui est un peu les choses qui se passent dans ma vie, quoi. Donc, qui se sont passées. Et je pense que j'aime beaucoup cette chanson parce que ça représente bien ce que je suis. Il est tout à fait naturel. Il peut être rigolo, comme timide. C'est vrai que quand il y a des personnes extérieures, peut-être qui n'est pas... Alors là, on le sent plus renfermé. On ne peut pas s'imaginer que sur scène, il peut dégager. Mais des fois, même quand je joue, des fois avec Franck sur scène, on fait de l'improvisation des fois. Et il chante du Johnny même moi, des fois, il m'étonne. Quand il a, des fois, il avait fait allumer le feu, mais carrément, mais avec une autre énergie que Johnny fait. Mais il avait de l'énergie quand même aussi fort pour moi, parce que c'est Franck. Il le fait à la Franck. Et il n'y a plus qui peut le faire comme ça. Seul sur la scène. Ça fait drôle d'être sur une scène comme ça, il n'y a personne. Et je compte refaire cette place peut-être l'année prochaine. Revenir aux sources, aux racines des. Et rechanter encore ici pour les gens de mon pays, de mon village. Mon grand plaisir, c'est avant tout rendre les gens heureux, qu'ils soient heureux pendant 2 heures de spectacle, qu'ils partent ravis, qu'ils partent en souriant, qu'ils partent en chantant aussi. Et c'est ça, je pense que c'est ça mon but, c'est ça ce que j'aime le plus, quoi, je pense. C'est le plus important pour moi. C'était un dimanche, tu avais ta robe blanche, mais comment l'oublier? C'était un soir de fête, une jolie guinguette, tout le monde dansait. Reviens avec une valse, oui, je reviens à mes amours. C'est vrai que
Mais j'ai pas tellement fait de valse sur 300-400 chansons depuis le début. Je crois que c'est la cinquième ou sixième valse. J'en ai pas fait des tas. Sur le bord de la piste, tu semblais seul et triste, abandonné. Oui, c'est une chanson encore pour les femmes. C'est vrai que depuis pas mal de temps, je chante pour des chansons qui s'adressent aux femmes. J'ai posé ma main sur ta main et je t'ai demandé. Au fait, c'est une chanson qui est assez populaire et une chanson qui invite quand même, qui invite une personne à danser. Donc c'est joyeux, c'est gai, c'est très entraînant. Voulez-vous danser, madame, cette valse avec moi? Voulez-vous danser, madame, je guiderai vos pas. Je vous ferai faire, madame, des tours et des tours. Voulez-vous danser, madame, et jusqu'au petit jour. Inviter une femme pour danser, je pense que ça se faisait il y a très longtemps, ça se fait encore maintenant, mais ça se faisait encore plus il y a quelques années. Et je pense que c'est une sympathie en plus d'aller demander à une femme sa main pour danser. Le vin de Moselle qui te rendait plus belle faisait aussi tourner ta chevelure brune. Et un rayon de lune venait la caresser. Tu étais si légère et ta robe claire semblait s'envoler. Et mon cœur, tout contre ton cœur, je t'ai demandé. Je dansais, j'aime bien danser, oui, je dansais beaucoup plus avant que maintenant. Mais je pense que tout le monde aime bien danser. J'aime bien danser aussi. Je vous ferai faire, madame, des tours et des tours. Voulez-vous danser, madame, et jusqu'au petit jour. Une petite anecdote, c'est que j'allais sortir d'un établissement et j'ai un garçon qui est venu me trouver. Je croyais qu'il venait pour rire. Il m'a dit, écoutez, vous savez, c'est avec votre chanson que j'ai appris la valse. Je lui ai dit, écoutez, c'est gentil. C'était un garçon d'une vingtaine d'années. Et oui, mais je dis, sur quelle chanson? Sur Toutes les femmes sont belles. Alors je dis, oh, ben, ça me fait plaisir. Et bien écoutez, moi ça me fait plaisir parce que ça m'a appris à danser la valse. Extraordinaire. Voulez-vous danser, madame, cette valse avec moi? C'est vrai que c'est assez entraînant. Mais c'est une valse. Bon, toutes les valses, à 3 temps, ça se danse facilement. Celle-ci est assez entraînante. Un moment de grâce, un moment de plaisir, un moment où on oublie un petit peu tous nos soucis, tous nos problèmes. Et c'est vrai que cette valse a ce côté pétillant quand même, je sens. Ça se sent, ça, un peu. Voulez-vous danser, madame, et jusqu'au petit jour. On va, si on répétait peut-être un petit peu le petit bal... Du sans souci. Du sans souci. Ou tant qu'il y aura. Tant qu'il y aura, c'est vrai que c'est un beau titre également. Oh, mais j'y vais. Alors, je garde la même tonalité. D'accord. Dans cet album, il y a, je vous dirais, il y a quelques chansons que j'aime beaucoup, que j'ai pris beaucoup de plaisir à chanter. Notamment celle-ci, par exemple, le bal du sans souci. J'ai le petit bal du sans souci. C'est une chanson que j'ai pris beaucoup de plaisir à chanter. Dans mes chansons. Tant que les valses feront tourner brunes et blondes. Une chanson populaire, c'est une chanson qui va dans la rue, qui descend dans la rue, que les gens s'approprient, que les gens chantent,
que les gens fredonnent, qu'ils retiennent et qu'ils ont l'impression que ça leur appartient. Ça, c'est une chanson populaire. C'est, d'ailleurs, je dirais même, c'est un tube, c'est un succès. Quand on entend siffler My Way, par exemple, ou alors Volare, oh, cantare, oh, oh, ça c'est populaire, ça tout le monde le chante. Au petit bal du sans souci, tu étais belle. Quand nous valsions aux accents de l'accordéon.